l'émotion se produit, elle ne doit pas bien savoir ce qu'elle est. Si c'est une peur qui revient cette fois plus forte qu'elle, ou bien si c'est l'expression d'une attente qu'elle ignorait être en train de vivre, elle regarde la chambre, elle dit « C'est drôle. C'est comme si j'étais arrivée quelque part. Que j'avais attendu ça depuis toujours. » Un soir d'été serait au cœur de l'histoire. Pas un souffle de vent. Et déjà, étalée devant la ville, baie et vitre ouverte, entre la nuit rouge du couchant et la pénombre du parc, le hall d'un hôtel. Depuis la route derrière l'hôtel, un homme fait le pas. Il traverse le parc et s'approche d'une fenêtre ouverte. C'est très peu de temps avant qu'il ne traverse la route. Il s'agit de quelques secondes qu'elle, la femme de l'histoire, arrive dans le hall. Lorsque l'homme atteint la fenêtre, elle est déjà là, à quelques mètres de lui. De là où il se tient, l'homme, l'eût-il voulu qu'il ne pourrait voir son visage? On ne pourrait voir son visage qu'à contre-jour. D'une fenêtre qui donnerait sur la mer. On appelle tout à coup dans l'hôtel, on ne sait pas qui, on crie un nom d'une sonorité insolite, troublante. Peu après le cri, un jeune étranger vient d'entrer dans le hall. Un jeune étranger, aux yeux bleus, cheveux noirs, le jeune étranger rejoint la jeune femme. Dans le parc, dès l'apparition du jeune étranger, l'homme s'est rapproché de la fenêtre du hall sans s'en rendre compte. Ses mains sont accrochées au bord de cette fenêtre. Elles sont comme privées de vie, décomposées par l'effort de regarder, l'émotion de voir. D'un geste, la jeune femme désigne au jeune étranger la direction de la plage. Elle l'invite à le suivre, elle prend sa main. Ils sortent par la porte qui donne sur la mer. L'homme reste derrière la fenêtre ouverte. Il attend. Tard dans la nuit qui suit, cette soirée. Une fois la beauté du jour, aussi violemment disparue que dans un revers du destin, ils se rencontrent. Lorsqu'il entre dans le café au bord de la mer, elle est déjà là. Il s'assied à une table, elle le regarde. C'est inévitable qu'on le fasse! Il est seul et beau, et exténué d'être seul, aussi seul et beau que n'importe qui au moment de mourir. Il pleure. Elle va à la table de celui-ci qui vient d'entrer, qui pleure. Elle s'assied face à lui, elle le regarde, elle lui demande s'il veut mourir, si c'est ça qu'il a, l'envie de mourir. Elle pourrait l'aider peut-être. Il dit que non, rien, de ne pas faire attention. Elle ne peut pas faire autrement. Elle lui parle.
chez vous? C'est ça. Chez vous, vous êtes seul? Seul, oui. Il cherche quoi dire. Il lui demande où elle habite. Elle habite à un hôtel qui est dans une de ces rues qui donne sur la plage. Il n'entend pas. Il n'a pas entendu. Il cesse de pleurer. Il dit qu'il est en proie à une grande peine parce qu'il a perdu la trace de quelqu'un qu'il aurait voulu revoir. Il ajoute qu'il est enclin à souffrir souvent de ce genre de choses, de ces chagrins mortels. Il lui dit... Restez avec moi. Elle reste. Elle parle aussi lentement que si elle avait perdu la mémoire. Elle dit qu'elle l'oublie. Il pleure. C'est sans fin. C'est bien ça, pleurer. Il ne parle plus de rien. Il ne parle plus ni l'un ni l'autre jusqu'à la fermeture du café. Ils sont là. Il est face à la mer et elle, de l'autre côté de la table, devant lui, de temps à autre. Ils se souviennent, ils se sourient à travers les larmes, puis de nouveau, ils oublient. Elle l'emmène dans un bar, plus avant dans les terres, sur une route nationale. Et là, il reste jusqu'au jour venu. C'est là qu'il lui dit qu'il est dans un moment difficile. Elle dit, à votre dernière heure, il dit que oui, que c'est ça, qu'il l'avait cru, qu'il le croit encore. Il sourit d'un sourire forcé. Il lui dit encore qu'il avait cherché dans la ville quelqu'un qu'il voulait revoir, que c'est pour cette raison qu'il pleurait. Quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qu'il avait vu par hasard ce soir même, et qui était celui qu'il attendait depuis toujours et qu'il voulait revoir. Coûte que coûte, même au prix de sa vie, que c'était ainsi qu'il était. Il la regarde avec beaucoup d'attention. Il oublie même de la voir pour mieux se souvenir et il dit... C'est curieux. C'est comme si je vous avais déjà rencontré. Elle réfléchit, elle le regarde à son tour, elle cherche où et quand ça aurait été possible. Elle dit non, je ne vous ai jamais vu avant cette nuit. Dit. C'est toujours un peu, ça effraie toujours un peu des yeux aussi bleus que vos yeux. Mais peut-être est-ce parce que vos cheveux sont si noirs. Elle dit sans doute ce qu'elle a évité de dire un moment avant. J'ai rencontré quelqu'un qui avait cette sorte de bleu dans les yeux. On ne percevait pas le centre du regard, d'où ça venait, comme si le bleu tout entier regardait. Elle pleure. C'est arrivé brutalement. Des sanglots trop forts qui se bousculent, qu'elle n'a pas la force de pleurer. Il lui demande si ce sont les yeux bleus qui la font pleurer. Elle dit que c'est ça, oui. Il se trouve que c'est ça. On peut le dire ainsi. Il lui demande quand c'était. Aujourd'hui. Elle dormirait. Elle aurait l'air de le faire, de dormir. Elle est au centre de la chambre vide, sur les draps blancs étalés à même le sol. Il est assis près d'elle. Elle dort. Il ne la connaît pas. Il regarde le sommeil, les mains ouvertes, le visage encore étrangé, les seins, la beauté, les yeux fermés. Sauf cette lumière centrale de couleur jaune qui tombe du lustre.
chambre est sombre, ronde, on dirait, close, sans fissure aucune autour du corps. Elle est une femme. Elle dort. Elle a l'air de le faire. C'est sur la route nationale au lever du jour, lorsque le deuxième café avait fermé, qu'il lui avait dit qu'il cherchait une jeune femme pour dormir auprès de lui pendant quelque temps. Qu'il avait peur de la folie. Qu'il fallait payer cette femme. C'était son idée qu'il fallait payer les femmes pour qu'elles empêchent les hommes de mourir, de devenir fous. Elle lui dit qu'une femme payée reviendrait au même que s'il n'y avait personne. Il dit qu'il est sûr de la vouloir ainsi, sans amour pour lui, rien que le corps. Il lui avait demandé de ne savoir ni son nom ni son prénom. Elle n'avait rien demandé. Et lui, il n'avait rien dit. Il est sur la terrasse. Le jour commence à peine, il revient dans la chambre. Elle était là, derrière l'épaisseur des murs. Il oublie presque son existence chaque fois qu'il revient de la mer. S'allonge près d'elle, les yeux s'ouvrent, les yeux se referment, elle se rendort. Les yeux s'ouvrent, aveugle, pendant un long moment, mais pour rien, pour encore se refermer et reprendre le voyage vers la mort. Et puis, à la fin de la nuit, les yeux sont restés ouverts, elle se dresse, elle écoute, elle demande ce qu'on entend, c'est quoi? Il dit le bruit de la mer. Que c'est le bruit de la mer et celui du vent qui se heurte. Que ce sont des échos de choses humaines jamais encore entendues. De rires, de cris, d'appels qui auraient été jetés d'un bord à l'autre du temps quand on ne savait rien. Et qui cette nuit atteindrait la plage qui est là, devant leur chambre. Une émotion se produit. Elle ne doit pas bien savoir ce qu'elle est, si c'est une peur qui revient cette fois plus forte qu'elle, ou bien si c'est l'expression d'une attente qu'elle ignorait être en train de vivre. Elle regarde la chambre, elle dit « C'est drôle, c'est comme si j'étais arrivée quelque part, que j'avais attendu ça depuis toujours. » Je ne peux pas toucher votre corps. Je ne peux rien vous dire d'autre. Je ne peux pas. C'est plus fort que moi, que ma volonté. Elle dit qu'elle l'a su, dès qu'elle l'avait vu dans ce café au bord de la mer. Elle dit qu'elle, elle est dans le désir de cet homme aux yeux bleus dont elle lui a parlé dans ce café, rivée au désir de lui seul. Que ça ne fait rien, au contraire. Il dit qu'il veut essayer à tout hasard de prendre le corps avec les mains, sans regarder peut-être, parce qu'ici, le regard n'a que faire. Il le fait, il pose en aveugle ses mains sur le corps, il prend les seins, les hanches, dans leur fraîcheur de peau nue, il fait basculer le tout dans un mouvement violent et dans une sorte de poussée de gifle plate, il le renverse, le met face contre le sol. Il s'arrête. Surpris par sa propre brutalité, il retire ses mains, il ne bouge plus, il dit « Ce n'est pas possible !» Jamais cela ne vous arrivait ? Jamais. Jamais. Avec une femme, vous voulez dire ? C'est ça, jamais. Jamais de désir pour moi ? Jamais. Sauf, il hésite, dans ce café, quand vous avez parlé de cet homme que vous aviez aimé, de ses yeux, le temps de le dire, je vous ai désiré. Ils se surprennent tout à coup à se regarder l'un l'autre,
Et tout à coup, elle se voit. Elle veut entendre comment il aimait cet amant perdu. Il dit, au-delà de ses forces, au-delà de la vie. Elle veut entendre encore, il redit. Ça arrive brutalement avec la même voix, la même lenteur. Il dit... Il m'a regardé. Il a découvert ma présence derrière la fenêtre du hall et à plusieurs reprises, il m'a regardé. Il a rejoint une femme. Cette femme lui a fait un signe de la main de le suivre. C'est là que j'ai vu qu'il ne voulait pas quitter le hall. Elle lui a pris le bras et elle l'a emmené. Lui, il n'a pas vu le visage de cette femme qui l'avait rejointe. Elle était tournée vers le jeune étranger. Elle ne savait pas du tout que quelqu'un était là, allait regarder. Il m'a regardé justement. Justement parce qu'elle l'a appelé. Et il me regardait avec insistance. Elle a dû crier pour arriver à faire qu'il se détourne de moi. Tout à coup, nous avons été séparés. Ils ont disparu tous les deux par la porte du hall qui donne sur la plage. Je suis allé le chercher sur la plage. Je ne savais plus ce que je faisais. Puis je suis revenu dans le parc. J'ai attendu jusqu'à l'arrivée de la nuit. Je suis parti quand on a éteint le hall. Je suis allé à ce café au bord de la mer. C'est terrible! Quelle histoire! Je finis de me déshabiller. Je me glisse sous la couette. C'est bon de s'allonger. Je sens un truc hyper doux avec le sommet de mon crâne. Je lève la main droite pour vérifier. C'est la toile du matelas de secours posée contre le mur. C'est fou ce que c'est. Alors je fais comme si c'était quelqu'un, comme si je touchais sa peau. Je le caresse, comme si j'étais en train de faire l'amour. Et puis j'ai un retour de conscience et je me dis, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Et ça me fait marrer, mais ça me casse le trip. Alors j'arrête. Je me demande si je vais me branler. Je me branle. Je m'endors. Au milieu de la nuit,
Comme épouvantée, elle se dresse. Elle dit qu'un jour le nombre des nuits prévues sera dépassé et qu'ils ne le sauront pas. Il n'entend pas. Quand il dort, il n'entend pas. Elle s'allonge de nouveau. Elle a du mal à se rendormir. Elle le regarde sans fin. Et elle lui parle. Et elle pleure d'entendre ce qu'elle lui dit. Cet amour. Cette nuit, elle dit que lorsqu'ils se seront quittés, ils n'auront de souvenir d'aucune nuit particulière, d'aucune parole, d'aucune image qui soit séparée du reste des paroles, du reste des images. Ils auront un souvenir fixe du vide de la chambre, du théâtre de lumière jaune et drap blanc des murs. Ils s'allongent très près d'elle, ils ne la questionnent pas. Elle est très fatiguée tout à coup. Vous portez larmes. Nous aurons un souvenir de la peur, de la nuit, du désir aussi. C'est vrai? Du désir l'un de l'autre dont nous ne faisons rien. Sauf ce regard il y a quelques jours. On ne sait plus. Rien n'arrive. Les mouvements de la mer, les passages de la nuit, les pleurs. Ils dorment, détournés l'un de l'autre. C'est elle qui d'habitude sombre d'abord dans le sommeil. Il la regarde s'éloigner, s'en aller dans l'oubli de la chambre, de lui, de l'histoire. Sous la lumière jaune, le visage nu. Elle parle de la chose intérieure. Au-dedans de cette chose intérieure, il fait la chaleur du sang. Il serait peut-être possible de faire comme si c'était un lieu différent, fictif, et d'y glisser lentement, d'y glisser jusqu'à la chaleur du sang atteinte, de rester là et d'attendre rien d'autre. Attendre, voir venir. Elle répète, venir une fois pour voir. C'est alors qu'elle ne demande plus rien, qu'il va sur le sexe étale. Elle écarte les jambes pour lui se placer dans leur creux. Il est dans le creux des jambes écartées. Il pose sa tête au-dessus de l'entrouverture qui ferme la chose intérieure. Il est le visage contre le monument, déjà dans son humidité, presque à ses lèvres, dans son souffle, dans une docilité qui fait venir les larmes. Il se tient longtemps là, les yeux fermés sur le plat du sexe abominable. C'est alors qu'elle lui dit que c'est lui, son véritable amant, à cause de cette chose qu'il lui a dite, qu'il ne voulait jamais rien. Que sa bouche est si près, que c'est intenable, qu'il doit le faire, l'aimer avec sa bouche, l'aimer comme elle l'aime, elle. Elle l'aime qui la fait jouir. Elle crie qu'elle l'aime, de le faire, qu'il est pour elle n'importe qui comme elle pour lui. Elle ne crie plus. Il faut me laisser. Tout est inutile. Je ne pourrai jamais. Peut-être. L'amour peut-il se vivre ainsi, dans cette manière affreuse? Il a laissé la porte ouverte. Elle dormait, il est parti, il a traversé la ville. Il revient au milieu de la nuit. Elle est là, entre le mur tracé. Elle est loin de la lumière jaune, habillée pour partir. Elle pleure, elle ne peut pas s'arrêter de pleurer. Elle dit, je vous ai cherché dans la ville. Elle a eu peur. Elle l'a vu mort. Elle ne veut plus venir dans la chambre. Il va près d'elle. Il l'attend. Il la laisse pleurer comme s'il n'était pas la cause des pleurs. Pika, pika, regarde un mot.
Je ne pense pas que ça fait 7 ans que j'attends de mourir. Je ne pense pas que l'amour est impossible. Vous ne savez pas! Savoir comme vous, c'est sortir dans la ville et toujours croire qu'on va revenir. C'est faire des morts et oublier. C'est vrai pour les morts. Maintenant, je supporte votre présence dans la chambre, même quand vous criez. Il reste là, à se taire un long moment, tandis que le jour vient. Et avec lui, le froid pénétrant, il se recouvre des draps blancs. Elle dit : rien ne peut venir du dehors, de vous et de moi, pour nous apprendre. Aucune connaissance ? Aucune ignorance ? Aucune ! Il y a des gens comme ça, fermés, qui ne peuvent apprendre de personne, nous par exemple. Nous ne pouvons apprendre quoi que ce soit. Ni moi de vous, ni vous de moi, ni de personne, ni des événements, ni de rien. Des mules, quel que soit le nombre de siècles qui recouvrira l'oubli de leur existence. Cette ignorance aurait existé, comme elle est là, en ce moment même, à cette date-là, dans cette lumière froide. Ils le découvrent, ils en sont enchantés. Et aussi que dans 1000 ans, il y aura 1000 ans que ce jour-ci aura existé. Jour pour jour, que cette ignorance de la terre entière, de ce qu'ils auraient dit aujourd'hui, sera datée, sans mots, sans encre pour l'écrire, sans livre pour le lire, datée. Ils en sont enchantés, de même elle dit. Ainsi, tout ce qu'il y a est là, dans la chambre. Elle désigne de sa main plat le sol dallé, les draps blancs, la lumière, les corps. Nous ne savons rien, ni vous, ni moi. Ce que nous savons, c'est que cette différence, cet empêchement que vous éprouvez pour moi, il est là pour cacher une chose qui a trait à la vie. Elle le regarde longuement, et par le regard, elle le prend, le garde en elle, enfermé jusqu'à la douleur. Il sait que ça lui arrive, et aussi que cela ne le regarde pas, elle dit. Vous n'avez jamais rien voulu, peut-être. Il est intéressé tout à coup, il demande. Vous croyez ? Je crois. Jamais. C'est un homme qui ne s'aperçoit pas de qui parle de lui ou de l'autre, de qui répond aux questions, d'où qu'elles viennent. De lui, tout aussi bien. C'est possible. Jamais rien. Il attend. Il réfléchit. Il dit. Peut-être ce qu'il y a, c'est ça. C'est que je ne veux jamais rien. Jamais. Je n'ai plus envie de rien faire.
Je n'ai plus envie de rien faire. Je décide d'aller m'asseoir. Je décide d'aller m'asseoir. Je m'étale. Je pose les pieds sur la table basse devant moi. Je pose mes pieds sur la table basse. Je me cale plus confortablement. Je ferme les yeux. Ma bouche. Ma bouche s'entre. Encore un verre ? Encore un verre. Encore une cigarette ? Encore une cigarette. Dans mon monde, baiser beaucoup, ça veut dire plus de 3 mecs par semaine. Ça veut dire plus de 3 mecs par semaine. Ce que je fais en ce moment. Avec les réguliers, la baisse est toujours meilleure. Le problème, c'est qu'il y a du relationnel à gérer. Mais si on est un peu schizophrène, alors ça ne gêne pas. Alors ça ne gêne pas. Quand personne n'existe, Quand personne n'existe vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Mais le premier hiver, ton premier hiver, on aurait failli te perdre à cause d'une méningite ou d'une grippe sévère qui aurait duré un peu trop, et peut-être que tes parents auraient hésité à t'emmener à l'hôpital, et ils l'auraient fait finalement à cause de l'inquiétude, à cause de la méningite ou de la grippe, et ça aurait été moins une. Après ça, toute l'enfance sont trop de problèmes, à part peut-être quand même les maladies infantiles, mais pas plus que ça, à cause de ce premier hiver qui aurait marqué tout le monde à cause de la peur qui ferait que tout le temps, on se soucierait de toi, tout le temps, on voudrait que tu ailles bien parce qu'on n'en serait jamais certain à cause de ton regard un peu vague et vert d'eau, ou alors franchement marron quand le temps est à l'orage, et ça m'arriverait encore de me faire avoir avec ça aujourd'hui. Thank you.
attraper et en attraper une méningite ou une crise sévère. Ou alors tu irais à l'opéra, tu prendrais des places jeunes, des places dernières minutes, des revues de place pour les filles comme moi qui sont pourtant pas des revues. Où que tu sois, tu serais pas dans ton environnement usuel, ton monde habituel, ce serait peut-être un joli moment, comme des jolis moments qu'on collectionne en bon paquet, voilà, on les compte avec peine. Mais ce serait pas ce qui importe ce jour-là, ce serait quand on se frôlerait le coude et qu'on sentirait un frisson dans le ventre, en tout cas le mien, à cause de ce contact bizarre avec la peau qui serait pas un contact ordinaire de peau, mais pas agréable non plus, en tout cas pas encore, à cause de la surprise de se trouver côte à côte, là où moi aussi j'aurais décidé d'aller, à cause de mon âge similaire au tien, en tout cas à lointain. Mais ce contact de ta peau sur ma peau et de ma peau sur ta peau ferait des tourbillons dans les airs et puis des grumeaux. Mais ce ne serait pas le seul contact qu'on aurait l'un avec l'autre. On en aurait plein des contacts, des dizaines, des centaines de millions de contacts auraient lieu entre nos deux peaux à l'avenir à cause de ce que ça nous aurait fait à toi comme à moi. Mais avant ces contacts, tous les autres qui n'en finiraient pas, on se présenterait, on se dirait des choses banales, superficielles qui masqueraient mal l'attraction qu'on aurait l'un pour l'autre à cause des palpitations dans nos cages thoraciques qui seraient strictement similaires, comme calquées, comme du calque, du papier calque, et on ne saurait plus quelle cage est la tienne ou la mienne. Mais découvrir ta voix, ce serait pour moi quelque chose de l'ordre d'un événement majeur dans ma vie à cause des tonalités bleues ou oranges qui s'évaderaient de ton visage quand tu me parlerais pour toujours, me dire des choses sans importance, histoire de dissimuler tes yeux dans ton regard vert d'eau qui coulerait sur mon corps. Mais je ne ferais pas le fier à cause de mon regard à moi aussi tout plat, mon regard qui n'arriverait pas à cacher la colle que je voudrais badigeonner sur toi pour que tu viennes contre moi, que tu t'appliques sur moi, pour que je puisse t'emmener un peu partout avec moi pour toujours. Mais toujours, ce serait un mot auquel on penserait vite, toi et moi, à cause de ces premiers moments ordinaires troués par les respirations bruyantes de nos cages thoraciques qui décideraient de nos vies, mais ça ne nous ferait pas vraiment peur. Je crois même que ça nous rassurerait, même si l'inquiétude serait à la hauteur, à l'épaisseur de l'attachement. On n'oserait pas encore dire d'autres mots, mais on serait peut-être content de savoir qu'on verrait moins de choses du monde à cause de ton image qui prendrait pour moi toute la place. Mais avant après ces premières semaines, on deviendrait autre chose l'un et l'autre à cause de cette nuit où on aurait décidé qu'il est temps de faire l'amour parce qu'on n'aurait pas osé auparavant, on n'aurait pas voulu se froisser, se gâcher, se flétrir, on n'aurait pas voulu laisser à penser qu'on veut ça, même si on le veut l'un et l'autre plus que rien. Mais une nuit, on n'aurait pas pu résister, on aurait eu envie de se voir nu et de se toucher nu et de se caresser nu et de s'embrasser nu et de s'étreindre nu et de se manger nu et de s'avaler nu et de se baiser nu et de se pénétrer nu et de continuer nu et de ne jamais cesser de faire ça nu, même si j'aurais pas réussi à cacher mon émotion, même si j'aurais pas réussi à bander tout de suite, ou alors j'aurais réussi fort, mais j'aurais eu envie de jouir tout de suite, rien qu'avoir ton corps, et ça aurait pas été une réussite de mon point de vue, parce que peut-être aussi j'aurais pas osé te dire que c'est ma première fois, et l'émotion, la peur, le trac, la trouille de ce que tu pensais de moi m'aurait paralysé, m'aurait fallu un certain temps pour apprendre à bander correctement, à aiguiser mon désir, de ciseler, fuseler mon désir pour qu'il rencontre le tien, qu'il ne se cache pas ou qu'il fanfaronne à cause de la peur, trac, trouille qui me prendrait à chaque fois que je voudrais te dire avec mon corps que je t'aime. Ça y est, on aurait changé de mot, te dire avec mon corps que je t'aime à cause de mon incapacité à baiser sans aimer, mais peut-être ce serait pareil pour toi et qu'il m'aurait fallu un certain temps pour comprendre que ce serait pareil pour toi, que toi aussi tu aurais peur, le trac, la trouille, que toi aussi tu aurais peur de ce que je penserais, et qu'il faudrait un certain temps aussi pour s'apprendre et s'abandonner, même si c'est rare les abandons à cause de l'amour, parce qu'il y a toujours de la pudeur, du respect, de l'estime, il y aurait tout ça entre nous très fort, et parfois ce ne serait pas simple de s'abandonner quand on s'aime comme ça, avec tout ça, mais peut-être qu'avec le temps il y aurait de plus en plus d'abandon et on ferait de mieux en mieux l'amour, à cause de la vie qui nous tiendrait ensemble. Mais parfois, on voudrait partir, ou se quitter, se lâcher, se défaire à cause de tous les autres, tous les autres dehors qui lorgnent à l'intérieur de nous, qui nous scrutent avec de l'envie dans la salive. Et parfois, ce ne serait pas simple de s'abandonner. Ce serait
très grave et passer la surprise, le choc, la peur, le trac, la trouille, passer l'effondrement qui fait descendre très vite en verticale tous les organes qui se mélangent dans tous les sens en bas, passer ça, on serait peut-être content de se dire que les choses auraient pas pu être autrement, que les choses auraient pas pu faire de nous d'autres personnes, qu'on n'aurait pas voulu être d'autres, rencontrer une autre personne que toi, que moi, qu'on n'aurait pas voulu baiser un autre cul, pas baiser une autre configuration de membres, muscles, peau, qu'on n'aurait pas voulu entendre d'autres couleurs dans la voix, d'autres mots utilisés d'une autre façon, qu'on n'aurait pas voulu tout savoir d'une autre personne qui aurait rien gardé, rien caché, tout dit, tout montré, qu'on n'aurait pas voulu d'une autre vie, parce qu'une autre vie, ça voudrait dire pas toi, pas moi, et ce serait pas acceptable. Alors on préférait s'aimer comme on s'aime, sachant que même si on se tient ensemble, on s'échapperait toujours à cause des palpitations dans la cage thoracique qui finissent toujours par... Mais que ce soit une marée qui parfois s'en va très loin, nous inquiéterait presque plus. Mais on préférait quand la mer est haute, qu'on nage ensemble dans l'air chaud que tu aimes bien. Et peut-être qu'à nager comme ça, on aurait eu un enfant, un autre, trois. On se serait réveillé la nuit, on se serait dit des choses brutales, jamais dites avant. On se serait baisé avec plus de violence, on aurait eu envie de tuer nos enfants, on aurait eu envie de mourir, à envisager qu'il puisse leur arriver quelque chose. On aurait échangé des couches, tenu des mains pour accompagner les premiers pas. On en aurait voulu à l'autre de faire plus que toi, que moi. On aurait eu l'impression de se sacrifier, on n'aimerait pas du tout ça qui fait peser une menace sur nous. On aurait fait des devoirs, repeint des chambres, déménagé. On se serait ennuyé sur les bancs d'un terrain de sport, attendre, dispenser, consoler, résoudre, désinfecter, conduire, endormir, rassurer, punir, expliquer, gronder, encourager, pousser dehors. On aurait prévenu, parlé des risques, mentionné les protections possibles en se disant qu'il n'y a pas de gêne à en parler, mais on serait livide à cause de la peur, trac, trouille. On aurait entendu les premiers ébats. En rentrant en après-midi, on aurait eu un fou rire nerveux, on aurait fait un tour chez Ikea pour meubler le studio, puis on n'aurait plus peur du tout, même si parfois très peur à nouveau, et on n'aurait pas aimé ce silence dans l'appartement, puis on l'aurait adoré, vénéré ce silence, on aurait recommencé à voyager, on aurait retrouvé de l'appétit l'un pour l'autre, on se rebaiserait comme des fous, on serait pire, on aurait hâte d'arrêter le travail, on arrêterait, on se prendrait un petit moment pour soi, pour toi, pour moi, on devrait garder les enfants de nos enfants, on se reperdrait parfois, on ferait chambre à part à cause du bruit, on se dirait c'est pas possible, pas nous, pas ça, alors on se remettrait dans la même chambre, dans le même lit, même si parfois toi ou moi discrètement quitterait le lit pour aller dormir dans un coin tranquille de l'appartement, et on regarderait le corps de l'autre ployé comme un vieux chêne, on regarderait l'arbre être abattu par le temps, la pluie, le vent, tout ce qui fend, couche, détruit, désespère, et on se retrouverait seul dans l'appartement. Mais on ferait comme si toi ou moi est toujours là, pas parti, pas mort, que les bruits de l'appartement sont les mêmes. Mais les bruits seraient pas les mêmes, et même si ton corps ou sa pulsion serait plus là pour envoyer les sons de l'appartement qu'on n'identifiait pas, mais qu'on aimait sans le savoir, on resterait dans cet appartement à cause des souvenirs, à cause de la fatigue qui nous prendrait à l'idée de déménager. Alors on s'installerait le matin dans le canapé de l'appartement et on regarderait les choses qui toujours nous auraient environnés. On poserait nos yeux sur la table basse en verre ou en bois et les piles de revues patriées posées dessus qui cacheraient le verre ou les nervures du bois. Et puis un tapis peut-être qu'on n'aimerait pas du tout mais qu'on aurait fini par tolérer avec le temps. Et puis trois tableaux peints par des gens qu'on ne connaîtrait pas mais qui nous auraient plu par delà, mais peut-être que si. Et puis des affiches d'exposition de peinture ou de spectacle qu'on n'aurait pas vu mais qu'on serait persuadé d'avoir vu avec le temps. Et puis la table ronde où on aurait mangé tout le temps avec des chaises en bois, en métal, en plastique qu'on aurait été fiers d'acheter 40 ans plus tôt. Et puis un fauteuil bleu ou jaune qui serait recouvert de traces, de taches, de lait, de confiture, de sperme aussi peut-être. On l'aurait pas dit, peut-être on aurait essayé de nettoyer en vin, qu'on aurait pesté contre l'absence de mousse, qu'on aurait envisagé de changer, puis on se serait dit merde quoi, il est sale, et alors on a le droit de baiser dans le salon, sur ce fauteuil qui aurait été très pratique quand tu serais venu sur moi, même s'il aurait fallu envoyer valser le petit coussin à fleurs ou un motif psychédélique, on aurait fini par poser sur l'assise pour camoufler les traces de nos ébats, et puis des livres partout, les livres d'art et d'histoire, les livres de décoration, de cuisine, les dizaines de romans poche grand format qu'on aurait voulu lire, mais qu'on n'aurait pas.
pas lu, et puis des dizaines d'essais qu'on aurait absolument voulu lire, mais qu'on n'aurait jamais lu, et puis les livres de poésie qu'on aurait ouvert comme ça de temps en temps, et puis les livres pour enfants, les bandes dessinées, les albums de coloriage gardés, on ne saurait pas vraiment pourquoi, au nom de quelle émotion stupide, et puis les guides de voyage, les routards, les guides bleu, vert, jaune, mauve, l'Espagne, la Sicile, le Pérou, la Bolivie, la Chine, le Sénégal, on ne serait jamais allé, on aurait envie d'y aller en même temps qu'un peu peur, et puis Budapest, l'Islande, le Laos, Londres, Istanbul, le Maroc, Londres, et puis New York, et puis Rome, on serait allé des dizaines de fois, parce que pratique, parce que pas loin, parce que quand même l'Italie, la boîte de cartes postales, qui se rappelle de vieilles cartes, jamais renouvelées depuis des lustres, parce que plus jamais personne n'en verrait jamais de cartes postales, et puis des amas de recharge de téléphone, de fil entremêlés à partout, appareils jetés, perdus, tombés en panne, jamais renouvelés, et puis dans la cuisine, le robot, le mixer, SEM, l'INEX, le marque à les marques premiers qui prient qui auraient été foutues de l'expiration de la garantie, et puis les dessins des enfants, et puis une ardoise pour nos télécoms affaires qui serviraient plus jamais aux marques à l'ouvrir, passer des anciennes expansions, parce que la crème aurait trop séché. Pour qualifier l'improbable, l'éphémère, obligatoire, super.
violemment disparu que dans un revers du destin, ils se rencontrent. Il m'a dit « baise-moi sans capote ». J'ai bandé instantanément. J'ai pensé de toute façon je ne mouille pas et puis je peux sûrement éviter de jeter dans le cul. Je suis rentré. Au bout de 5 minutes, évidemment j'avais envie de jouir alors que d'habitude avec une capote ça ne vient jamais tellement je reste à distance. J'ai dit « j'ai envie de jouir ». Il a dit « vas-y ». J'ai dit « je pense qu'il vaudrait mieux attendre le résultat de ton test ». Je suis sorti et j'ai giflé sur son petit cul de chienne. Le test est négatif. Je me dis que j'ai bien fait de ne pas jouir dans son cul. J'appuie. Je me sens seul. Déçu. J'appuie seul. Elle arrive. Elle prend les draps. Elle les emporte dans la partie sombre de la chambre. Elle s'enroule tout entière devant. Et elle se couche là, contre le mur, sur le sol, toujours exténuée de fatigue. Il va à elle. Il déroule les draps. Il la trouve chaude à l'intérieur à dormir. Alors il lui dit qu'il faut venir dans la lumière centrale de la chambre. Elle le regarde, elle se réveille, elle lui demande « Qui êtes-vous ?» Il lui dit « Souvenez-vous. » Elle se souvient. Tu as oublié ? Je ne crois pas. Si. Je n'ai pas pu oublier. Tu te souviens de moi ? Je dis oui, je crois. On a baisé ensemble une fois chez toi et une fois chez moi. J'en garde un excellent souvenir. Moi aussi, ça m'a marqué. Je l'avais très bien godé. Baiser son capote à l'époque, ça me faisait flipper. Je débandais. C'est souvent qu'elle se réveillera désorientée, inquiète. Elle demande... Qu'on entend ? Il dit la mère, la mère, là, derrière le mur de la chambre, elle et moi, je suis celui que vous avez trouvé. Elle sait. Elle sait. Elle sait la mal de pourquoi elle est là. Elle le regarde. Elle dit : vous êtes celui qui était désespéré. Vous ne trouvez pas qu'on se souvient mal ? Lui, tout à coup, il trouve aussi qu'on se souvient mal, que c'est à peine si on se souvient. Une nuit. Il est allongé près d'elle. Elle caresse les yeux, la cavité des yeux, la bouche, l'arête des méplats, le front. Elle cherche en aveugle un autre visage à travers la peau, les os. Elle parle. Elle dit que cet amour est aussi terrible à vivre que l'immensité indienne. Et elle crie. Elle retire ses mains du visage de l'homme de la chambre comme si elle s'était brûlée. Elle se détourne de lui. Elle va se jeter contre le mur de la mer. Et elle crie. Elle appelle quelqu'un à voix très basse. S'ouvre. Elle l'appelle comme en sa présence, comme on ferait d'un mort, au-delà des mers, des continents, du nom de tous. Elle appelle un seul homme, avec la sonorité centrale de la voyelle sanglotée de l'Orient. C'est la sortie des combles d'un hôtel à la fin d'une journée de tête. L'homme. Redevenu l'homme de la chambre. Il est seul. Il lui demande ce qui lui est arrivé. Elle dit que c'était son visage à lui, qu'elle caressait, mais que, sans doute, sans s'en rendre compte, sans qu'elle le sache, elle avait cherché un autre visage que le sien, que tout à coup cet autre visage avait été sous ses mains. Je ne comprends pas, c'était comme une apparition. C'est pourquoi j'ai eu si peur. Il dit qu'il commence à oublier les yeux du jeune étranger aux yeux bleus, cheveux noirs. Au réveil, quelquefois, il doute même que l'histoire ait existé. Comme cet autre visage, qu'elle cherchait sans le savoir,
Celui du jeune étranger doit en recouvrir un autre pour lui. Mais à venir. C'était un soir d'une exceptionnelle douceur. Par un souffle de vent. Toute la ville était dehors. Toute la ville était dehors. On ne parlait que de la tiédeur de l'air. J'ai traversé le parc de l'hôtel, je suis allé près d'une fenêtre ouverte. C'est peu après que je suis arrivé près de la fenêtre que je l'ai vu. Il avait dû entrer par la porte du parc. Je l'ai vu alors qu'il était au milieu de sa traversée du hall. Il s'est arrêté à quelques mètres de moi. C'est là que c'est arrivé. Cet amour dont je ne vous ai pas parlé. C'était là. Que j'ai vu pour toujours un jeune étranger aux yeux bleus, cheveux noirs. Celui pour qui je voulais mourir ce soir-là en votre présence. Au café au bord de la mer. Elle le regarde. Elle répète les mots pour les dire. Un jeune étranger aux yeux bleus, cheveux noirs. Elle sourit. Elle demande. Celui que vous m'avez dit déjà, celui qui est parti avec cette femme. C'est ça. Ce soir-là, je suis passée par le hall. Mais quelques minutes seulement pour rejoindre quelqu'un qui devait quitter le pays. Mais de la soirée elle-même, elle ne se souvient pas. Elle dit qu'elle se souvient surtout du ciel rouge à travers les rideaux fermés de la chambre d'hôtel où elle faisait l'amour avec un jeune étranger qu'elle ne connaissait pas, qui avait les yeux bleus et les cheveux noirs. Et lui aussi est parti en réalité. Oui. Pour toujours, lui aussi. Vous avez eu une histoire. Nous sommes restés 3 jours entiers dans cette chambre d'hôtel. Et puis, le jour de son départ est arrivé, ce jour d'été que vous dites, dont je n'ai rien vu sauf ces quelques minutes dans le hall, j'étais descendue la première de la chambre. Il devait me rejoindre, on était en retard. Quelquefois, en dormant, vous prononcez comme un nom. Un mot. C'est vers le matin. Il faut être très près de votre visage pour arriver à l'entendre. C'est à peine un mot. Mais on pourrait croire qu'il ressemble à celui qu'une voix criait dans l'hôtel. Elle lui parle de ce mot. Ce mot était un nom dont elle l'avait appelé, lui, et dont lui l'avait appelé en retour ce dernier jour. Il lui demande de dire le mot. Il l'écoute le dire, les yeux fermés. Il demande de le dire encore et encore. Et elle le lui dit à lui. Et il l'écoute toujours. Il pleure. Il dit. C'est bien elle qui avait crié dans le hall de l'hôtel. Il reconnaissait la voix comme s'il venait de l'entendre. Elle ne dément pas, elle dit. C'est comme vous voudrez. Cette nuit, il la regarde dormir. Il regarde dormir celle qui a été pénétrée par le jeune étranger aux yeux bleus, cheveux noirs. Thank you.
Je le tiens par les chevilles, jambes écartées, il a les jambes repliées sur lui-même, les pieds sur mon ventre ou sur mes flancs. Si je l'attrape par le dessous des genoux, je peux le baisser, bras tendu, plus en profondeur, avec le poids du corps dans les reins, c'est top. Je peux aussi le tenir dans le dos, au niveau des reins, par en dessous, un peu en l'air, par les chevilles, les jambes en grenouille, ou alors droite, jointe sur ma poitrine. Je peux aussi le tenir en croisant les bras autour de ses cuisses et de ses jambes. Ce sont les meilleures positions. Les plus stables, on peut maîtriser la pénétration. En plus, en variant les angles, je sens des parties de bide et du cul plutôt le dessus. Bien dans l'axe, un peu par en haut ou pas en l'air. Après, il y a le cambrage. Mais ça, c'est pour sentir sa bite un maximum. Plus je me cambre et plus la pénétration est ample, ça me détend bien. Et puis, il y a le poussage, au bout du mouvement. Ne pas oublier d'exercer une pression de plus en plus forte avec le bassin pour ouvrir de plus en plus profond. On se retient de taper comme un sourd tout de suite en pensant que tout à l'heure, on pourra taper comme un sourd. Mais beaucoup plus longtemps. Et en provoquant beaucoup plus de gratitude et dans un cul beaucoup plus mouillé. Je l'encule vraiment bien à fond, ça dure enfin assez longtemps avant qu'il jouisse pour que j'arrive au cul bien souple, tellement détendu que ça fait flotch, 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 pour que je sois couvert de sueur et qu'après j'ai mal aux cuisses. Dans ce café, dans l'état où vous étiez, dans cette douleur paisible, vous vous
souvenez? Vous aviez envie de mourir? J'ai voulu mourir à mon tour de cette façon théâtrale et extérieure. Je me suis dit, mettre mon corps contre son corps et attendre de la mort. Comme vous l'imaginez sans doute, j'ai derrière moi une éducation qui aurait dû me faire croire que vous étiez un voyou, qu'il fallait que j'aie peur de vous. Mais vous pleuriez. Je n'ai vu que ça. Que je suis restée. C'est le matin. Sur cette route nationale, quand vous avez dit que vous vouliez me payer, que je vous ai regardé tout entier. Alors j'ai su que je ne m'étais pas trompée. Car au contraire de ce qu'on m'avait enseigné, vous n'étiez ni un voyou, ni un assassin. Vous étiez sortie de la vie. Elle dit, je ne vous connais pas. Personne ne peut vous connaître. Se mettre à votre place, vous n'avez pas de place, vous ne savez pas à où trouver une place. Et c'est de ça que je vous aime, que vous êtes perdu. Elle s'arrête, elle le regarde, puis elle lui dit que pendant les premières heures de leur rencontre, elle avait su qu'elle s'était mise à l'aimer comme on sait qu'on a commencé à mourir. Il lui demande si elle est habituée à la mort. Elle croit que oui, elle croit que oui, que c'est la chose à laquelle on s'habitue le mieux. Elle dit... Après, à la fin de la nuit, c'était déjà trop tard pour que je refuse. Ça a toujours été trop tard pour ne plus vous aimer. Il s'est relevé. Il la lève vers lui, il embrasse sa bouche. Le désir dans la défaite, fou. Ils en tremblent. Le baiser est devenu la jouissance. Il a eu lieu. Il s'est joué de la mort, de l'horreur de l'idée. Il n'a été suivi d'aucun autre baiser. Il occupe le désir tout entier. Il est à lui seul son désert et son immensité, son esprit et son corps. Il la désire. Elle, la femme de ce café au bord de la mer. Ce baiser de leur bouche s'est répandu dans tout son corps. Il est en lui entièrement retenu, comme un secret entier, un bonheur qu'il faut sacrifier de crainte qu'il ait à devenir. C'est l'idée de ce baiser qui le conduit à celle de sa mort. Il pourrait très bien ouvrir la porte et mourir là, d'une quelconque façon, ou y dormir dans la tiédeur de serre. Je suis si fatiguée. Je suis restée là sans bouger. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Comment est-ce qu'une chose pareille peut m'arriver? La plupart des gens, ils continuent. Ils se lèvent, ils continuent. Si je reste ici, je vais mourir. Je vais finir par mettre du sperme dans le cul de tout le monde et par me faire pareil. La vérité, c'est qu'il n'y a plus que ça que j'ai envie de faire. D'ailleurs, c'est déjà bien parti. Évidemment, je ne pourrai en parler à personne. Je ne pourrai plus rencontrer personne. J'attendrai d'être malade. Ça ne durera sûrement pas longtemps. Alors, je me dégoûterai tellement que ce sera enfin le moment de me tuer. Je me suis dit que je n'avais plus qu'à partir. Nous pourrions partir ensemble, si vous voulez. Moi non plus, je ne veux rien. Il rit comme eux, mais dans une sorte d'incertitude et de peur, tout comme il ferait s'il venait d'échapper à un danger. Ou bien une chance, mais il n'aurait pas demandé et à laquelle il n'aurait pas pu échapper. C'est dans le silence qui suit que tout à coup, ils le lui disent. Ils disent qu'il est leur amant. Vous êtes mon amant pour cette raison que vous avez dite, que vous ne voulez rien. Il a le geste brusque de se protéger le visage avec sa main, puis sa main retombe. Et chacun baisse les yeux. Il ne se regarde pas. Le sol peut-être, le blanc des draps. Ils sont dans la crainte que leurs yeux se regardent. Ils ne bougent plus. Ils sont dans la peur que leurs yeux se voient. Les jours sont plus courts, les nuits plus longues, l'hiver vient. Aux heures proches du lever du soleil, le froid commence à pénétrer dans la chambre. C'est à peine encore, mais c'est chaque jour. Aujourd'hui, il y a de la tempête. Le bruit de la mer est très près. C'est une grande marée qui s'acharne contre le mur de la chambre. Le tout de la chambre, du temps, de la mer, est devenu histoire.
Elle est allongée près de lui sur le sol, elle dort. Il dit. Je ne sais rien de ce que vous pensez. Je ne peux pas imaginer que vous puissiez souffrir de ce que je dis. Je ne dis rien. Je ne dis jamais la vérité, je ne la connais pas. Je ne dis rien pour faire souffrir. C'est après quand vous souffrez que j'ai peur de ce que je dis. Il hésite. Puis il la réveille et dit, ce n'est pas la peine de compter les nuits qui restent. Il y en aura sans doute encore avant notre séparation. Elle le sait. Même lorsque ce sera la dernière nuit, ce ne sera pas la peine de le signaler. Elle lui demande de la prévenir lorsqu'un jour il se mettra à l'aimer et à le savoir. Si jamais. Elle dormirait. Elle aurait l'air de le faire, de dormir. Elle est au centre de la chambre vide, sur les draps blancs, étalés à même le sol. Il est assis près d'elle. Elle est une femme. Elle dort.